Toi pour la conduite de mes pères, pour ce que tu fais, Seigneur. Nous voulons la force, nous voulons encore la santé, mes pères, nous voulons la joie, pour l'onction, mes pères, du bisson pour ton service, Seigneur. Et tu sois béni pour les psaumes, ce que nous avons lu, Père. Sois béni encore ce soir, car nous t'avons ainsi prié, Père, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni, qu'il soit glorifié, qu'il soit exalté, qu'il soit vraiment aimé de tous les cœurs. Amen. Que son Saint-Nom soit vraiment béni. Amen. Qu'il vous bénisse et qu'il vous comble. Amen. Qu'il soit toujours avec vous. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes toujours heureux lorsque nous pouvons nous retrouver ensemble. Je crois que la journée aussi d'aujourd'hui, le cœur de tout un chacun de nous soupirait et brûlait de pouvoir réellement nous retrouver dans la maison du Seigneur pour que nous puissions ensemble aussi glorifier notre Dieu. C'est merveilleux de pouvoir réaliser le travail que le Seigneur fait dans tout un chacun de nous pour que nous puissions atteindre le but pour lequel il nous a appelés. Comme aussi nous le disons, toutes choses concourent effectivement pour le bien de ceux qui aiment l'Éternel. Et comme la Bible le dit aussi, que le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Il est notre consolateur et notre soutien dans toutes les circonstances dans lesquelles nous pouvons traverser, passer. Qu'il soit toujours béni, qu'il soit toujours aimé et honoré dans notre marche et dans notre vie. Que le Seigneur console notre sœur Edith, qu'il console aussi notre frère Pascal aussi, et tous les enfants et la famille, parce que notre sœur a perdu son grand frère. Et son frère est rentré, là il est parti, il s'est endormi. C'est pas facile, vous savez, quand on perd quelqu'un dont on a eu le désir de pouvoir dire un jour je pourrai le revoir. Et après tant de temps qui sont passés aussi, nous aimons les membres de nos familles et nous soupirons qu'un jour aussi que Dieu accorde la grâce, qu'il puisse aussi connaître le Dieu que nous servons. Et quand ils partent, alors la tristesse est aussi grande aussi, surtout c'est quelqu'un qui est plus proche, effectivement, si un frère est une partie. Le Seigneur console notre bien-aimée sœur Edith, qui la fortifie beaucoup et qui console aussi toute sa famille entière. Nous nous tenons ensemble aussi avec elle. Dans le moment difficile aussi, nous sommes censés pouvoir être aussi avec elle. Nous connaissons sa foi, nous connaissons son amour pour son Dieu, et même dans les circonstances les plus difficiles, elle demeure toujours confiante. Que le Seigneur bénisse notre sœur. Console et fortifie aussi notre précieux frère aussi, son époux, qui a eu aussi à pouvoir aussi agir de la manière qu'il fallait pour que la nouvelle soit aussi annoncée à notre sœur, afin qu'elle puisse être entourée de ceux dont elle sait aussi que ce sont ses sœurs aussi. Que Dieu bénisse nos sœurs, nos frères qui ont eu à pouvoir l'entourer le jour où la nouvelle devait lui être donc annoncée. Je pense qu'ils annonceront effectivement aussi le jour où je pense que déjà de maintenant, ceux qui veulent aller, je suppose, enfin, c'est pas moi qui dois dire. Et je ne peux pas dire ce que je ne dois pas dire. Je laisserai donc la possibilité à notre frère, l'époux de notre soeur et la soeur, de pouvoir donner leur message au diacre, à notre frère, pour communiquer la suite. Moi, je m'arrête cette fois-là. Nous allons prier. Tendre Père, tu restes sur toi. Merci parce que tu es le Dieu qui fait les choses comme tu le fais, Seigneur. Votre sœur a toujours cet amour à ton endroit, malgré les difficultés, malgré les combats, malgré les épreuves. Tu l'as connu, Dieu qui est comme vous venez de Patrice. Et nous avons le témoignage de savoir trouver les voies, Seigneur. Aujourd'hui, son frère est parti, mon béni, Patrice, et son cœur est aussi attristé. Nous voulons simplement que lui apporter notre consolation par notre présence aussi, par notre affection à son endroit, notre amour à son endroit. Mais Jésus, c'est vrai, au Père de
quelqu'un n'a jamais été quelqu'un de très facile pour quelqu'un, Seigneur Jésus. Oh Dieu, ici, le départ de quelqu'un est toujours un déchirement. Seigneur, nous te prions de pouvoir consoler cette famille de Patrice, Dieu, notre mère et soeur, ainsi que son mari et ses enfants, que Dieu soit ici. La maman aussi là-bas, oh Jésus-Christ, mon roi, la crise est tellement si grande aussi dans la famille, Père Saint-Dieu, pour une maman. Oh Dieu, qui espère en disant que mon fils puisse rester, que moi je puisse partir, et de voir ses enfants partir ainsi, Seigneur, c'est un déchirement profond. Console la maman, bénémoine Patrice, mon Dieu. Fortifie la maman, bénémoine Père Saint-Dieu, que tu la soutiennes, tu connais son état aussi, bénémoine Père Saint-Dieu, nous implorons ta grâce. Puisse être béni et glorifié, car nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ. Nous sommes des pèlerins, des étrangers sur cette terre. Nous savons qu'un jour viendra où nous devons traverser le rideau pour aller de l'autre côté. Mais la question de savoir de quel côté nous irons, c'est la raison pour laquelle nous avons ce privilège de pouvoir nous retrouver, nous rassembler pour que nous nous préparions afin que ces jours-là, lorsque la trompette retentira et que le son se fera entendre, effectivement, nous puissions partir avec la certitude et l'assurance de savoir où nous allons. Sur la terre, déjà, nous sommes des privilégiés parce que c'est lui qui réellement est de l'autre côté, est avec nous ici. Nous le remercions parce qu'il est vraiment le Dieu de sa parole et c'est le privilège que nous avons de pouvoir avoir la certitude de ce que nous sommes et ce que nous faisons, parce qu'en fait, ce n'est pas une histoire de réalité, en réalité, c'est vraiment la réalité des choses et la certitude des choses avec Dieu. Oh, que son Saint-Nom soit béni, parce que la Bible nous fait savoir une chose qui est très importante, c'est qu'avec ces dieux, nous ferons des exploits. Amen. Ce qui veut dire que sur la terre, nous savons où nous en sommes. Et nous avons au fin fond de notre âme une certitude. C'est pour ça qu'on parle en fait du sceau de Dieu, que Dieu a scellé en fait. C'est que quelque chose que Dieu a marqué, qu'il a scellé au-dedans de nous, que personne ne peut arriver à pouvoir arracher cela. C'est pour ça que les Saintes Écritures nous parlent effectivement de ce que le Seigneur a eu à pouvoir exprimer quand la Bible dit qu'il tressailla de joie et dit: je te loue, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu l'as voulu ainsi. Oui, de ce que tu l'as caché au sens intérieur, tu l'as révélé aux enfants. Ça veut dire que la révélation est quelque chose de très important aux yeux de Dieu pour un fils de Dieu. Et quand Dieu te donne cette révélation, c'est aussi quelque chose qui est tellement incrémenté au-dedans de toi qu'aucun homme ne peut arriver à pouvoir t'arracher de cela. Parce que toi et moi, nous qui sommes assis ici, à moins que nous soyons peut-être un peu dans le flottement, mais je pense que quelque chose de tellement puissant et certain s'est passé dans chacun de ceux qui l'ont reçu. C'est quoi en fait? C'est-à-dire que nous savons une chose est certaine, que la mort n'a plus de pouvoir sur nous. C'est difficile de pouvoir croire, évidemment, je pense, pour les uns comme les autres, parce qu'ils regardent effectivement que la mort frappe toujours d'une certaine manière ou d'une autre. Mais nous devons comprendre une chose qui est très importante, c'est que le Dieu que nous servons est un Dieu qui est vraiment parfait. Amen. Je veux que vous compreniez d'abord cela. C'est important parce que c'est lui qui a dit dans les Saintes Écritures, dans la Genèse, il dit que tu as été tiré de la poussière et tu devras retourner à la poussière. Qu'est-ce qui a été tiré de la poussière? Parce que l'homme tel qu'on le connaît, selon les Saintes Écritures, celui dont on parle, Adam, la Bible dit qu'il a été créé à l'image de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Dieu n'est pas la poussière. Amen. Adam a été créé à l'image de Dieu. Cet homme qui a été créé n'était pas censé pour pouvoir mourir. D'ailleurs, vous le savez très bien, parce que la Bible dit que Adam a vécu pendant 980, quelque chose comme ça, des années. Donc, effectivement, il n'a même pas fait un jour. Un jour devant le Seigneur, c'est comme... Dieu est parfait. Il a dit, mais le jour où tu mangeras ceci, le jour où tu en mangeras. Les gens peuvent regarder, Adam a fait 20 ans, il a fait 30 ans, il a mangé, mais il a fait 40 ans. Dieu avait dit, Amen, amen. Il a fait 100 ans, il a fait 200 ans, il a des choses. Non, il avait dit le jour. Amen.
Où tu en mangeras, tu mourras. Adam n'a pas fait 1000 ans. Non, il est mort le jour où il en a mangé. Donc c'est important que nous comprenions le privilège que Dieu nous a fait. Parce qu'il est important que... C'est pour ça que je dis, ne faites pas trop attention. L'homme qui est charnel ne comprend pas ce que c'est. Ça, c'est simplement un voile. Ceci ne pourra jamais aller dans la présence du Seigneur. Vous savez d'abord ce que c'est que la mort, effectivement. C'est ça. Bon, on va rentrer dedans parce que vous commencez à poser des questions à ce sujet. Mais c'est nécessaire que nous comprenions que ce que les Saintes Écritures disent, c'est 100% la vérité. Il me dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Pensez-vous que Dieu peut se tromper? Pensez-vous que Dieu va simplement dire une chose comme ça pour qu'il ne puisse pas avoir d'effet en fait en réalité? C'est pour ça que David pouvait crier en disant que tu ne permettras point que ton sein voie la corruption. Descendu dans les régions inférieures. La mort l'a frappé. C'est vrai, non? Et Satan a eu à pouvoir dire, en tout cas ici, c'est terminé. Tous les hommes qui sont venus d'ailleurs, ils auront cette charge-là parce qu'ils devront toujours mourir. Et en mourant, ils vont aller dans l'endroit où moi je les emprisonne. Vous vous souvenez de ma parole ici? Vous vous souvenez? Amen. C'est pour ça que nous devons être certains de celui en qui Dieu nous aide, frère. Nous aimons tellement avoir beaucoup de temps pour parler de choses qui concernent notre Seigneur, ce qui nous concerne parce qu'elles sont nécessaires. Ce sont ces choses-là qui donnent un sens à notre vie sur la terre. Amen. Un chrétien ne peut pas être quelqu'un qui n'a pas d'orientation, qui ne sait pas tellement très bien et qui suit des courants philosophiques, qui suit des courants peut-être à gauche et à droite, effectivement. Non, il doit être... En fait, c'est celui qui doit diriger tout. Amen. Amen, amen. C'est ça, un chrétien, c'est celui qui doit diriger tout. Pourquoi tu appelais un chrétien? C'est Antioche qu'on avait appelé. Amen. Pour quelle raison les appeler, en fait? Parce que quand on les a observés, on dit, mais ces gens, ils sont spéciaux. Ils sont comme ces Jésus-là. Amen. Oui, parce que nous sommes aussi des oints. Le oint veut dire effectivement des Christ. Christ, ça veut dire Messie. Amen. Ne touchez pas à mes, vous direz, frère, mais c'est écrit. Donc, le loin de l'éternel, c'est bien le Christ. Christ veut dire loin. Jésus, le loin. Et toi, si tu es loin, tu es aussi petit. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est pour ça que c'est important, frères et sœurs, nous allons lire une écriture tout à l'heure. C'est important que vous compreniez ces choses, en fait, que vous voyez comme nous ne jouons pas, en fait. Parce que regardez très bien, frères et sœurs. La même colonne de feu qui était avec les enfants d'Israël, qui le conduisait la nuit, colonne de feu, le jour, colonne de nuit, c'était qui? C'était l'Éternel. Amen. C'était Dieu. Amen. Dans sa puissance, effectivement, qu'on pouvait le voir, effectivement, la nuit comme le jour. Mais les jours de Pentecôte, c'est même Dieu. La même colonne de feu, est-ce que vous suivez? Amen. Est-ce que vous suivez? Amen. Donc cette colonne de feu-là, c'était Dieu dans sa puissance. Ce n'était pas un Dieu diminué, non. C'était Dieu dans toute sa plénitude. Amen. Est-ce que vous suivez? Amen. Donc c'était l'Éternel. Il y avait qui marchait devant son peuple, effectivement, qui le conduisait. Et le peuple observait, disait que ici, nous avons Dieu avec nous. Amen. Il voyait effectivement cela. Donc ce n'était pas une illusion de Tignon. Il le voyait agir. Est-ce que vous comprenez? C'était donc Dieu, le Dieu tout-puissant, sous cette forme-là qu'on pouvait le voir. Et les jours de Pentecôte aussi, on nous a dit bien que des langues semblables à des langues de feu. Il dit que ces réparties sont posées sur chacun d'eux. Évidemment, c'est le même Yahvé là. Maintenant, il est venu effectivement sous la forme du Saint-Esprit, effectivement, comme on dit, le même Seigneur Jésus-Christ qui est revenu effectivement. Vous savez ça, non? Donc, il est sous la forme de... Vous savez que cette même colonne de feu qui est tombée, qui est descendue sur les apôtres, effectivement, c'était la même divinité, le même Dieu avec sa puissance, effectivement, comme c'était dans les temps de Moïse, effectivement, qui était maintenant dans l'intérieur de chacun.
Dieu qui était dans l'Ancien Testament et qui dans le Nouveau Testament, ce même Dieu se répand sur tous ceux. Parce que, savez-vous, frères et sœurs, ceci est très important. C'est vrai que nous l'avons lu ici, en fait. Vous avez remarqué, quand nous avons vu, vous avez remarqué une chose, c'est que quand on est arrivé effectivement au niveau de la pluie, il a dit, ça tombe sur les justes comme c'est les injustes. Vous avez remarqué? Vous avez remarqué ça? Et puis quand on a regardé très bien, effectivement, qu'est-ce qu'on a bien vu? Qu'il y a une grande différence, même si ce sont des hommes qui reçoivent cela, mais il y a une différence avec ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne sont pas de Dieu. Où va le Saint-Esprit quand il descend? Mais il va directement dans l'âme pour celui qui est de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Bref, on aura ça dit presque quelques jours après. Mais regardez une chose qui est très importante, c'est que ce que nous puissions réaliser, nous, les faits que le Seigneur, notre Dieu, cherche à pouvoir avoir comme impact dans chacun de nous. Nous nous en lire dans la Sainte Écriture, dans le livre de Jean. Jean, je pense que dans le livre de Jean, chapitre 17. Jean, chapitre 17, nous lirons à partir du verset 24. Il dit, Jean 17, verset 24, il dit, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. La gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Amen. Amen. Tendre Père et précieux Sauveur, nous voulons te dire merci encore ce soir pour le privilège et la grâce que tu nous accordes de pouvoir entendre ta parole et surtout de pouvoir réellement te louer et te glorifier et t'exalter, Seigneur. Puisses-tu encore nous aider encore ce soir afin que nous puissions être dans une condition telle que nous puissions vraiment être disposés à pouvoir t'entendre et que tu puisses avoir aussi la possibilité de passer à agir aussi dans chacun de nos pères. Pardonne-moi et soutiens et de nous. Je vous remercie de grâce pour nous sommes. Vous pouvez vous asseoir. Comme nous l'avons déjà lu cela, vous savez que cette prière, c'est la prière que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a eu à pouvoir adresser. Et lorsqu'il pria ainsi, nous avons cette certitude que ce qu'il a eu à pouvoir exprimer et demander dans sa prière ici, cela va s'accomplir exactement. Et chaque chose dont il a eu à pouvoir pointer dans sa prière, ça doit et ça va s'accomplir. Alors, il fait comprendre, là, quand nous l'avons lu, effectivement, nous voyons que c'est un désir aussi profond de pouvoir entendre l'amour, comment il a poussé tellement si loin son amour. Il dit, mais je veux que ceux-là que tu m'as donné, pas tous, non, parce qu'il a même dit, effectivement, il dit, mais tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. Et plus loin dans Jean au chapitre 6, il veut dire, tous ceux que le Père m'a donné, viendront donc à moi. C'est pour ça qu'il parle en disant que mes brebis donc entendront ma voix. Je ne suis pas venu pour prendre les brebis de quelqu'un d'autre. Donc, mes brebis entendront ma voix et ne seront pas la voix d'un étranger. Il dit, mais tous ceux-là que tu m'as donné. Et si réellement nous sommes de ceux-là que Dieu lui a confié, effectivement, et qu'il a donné. C'est pour ça qu'il est venu sur la terre pour chercher, non pas tout le monde, mais ceux qui lui avaient été déjà donnés. C'est pour ça que vous savez, nous avons lu ici, où le Seigneur, la Bible de Romains, dit, mais ceux que Dieu a connus d'avance. C'est pour que nous comprenions qu'avec le Seigneur, notre Dieu, il n'y a pas de tâtonnement ou de hasard, effectivement. Ceux que Dieu a connus d'avance, il travaille effectivement pour que ceux-là puissent arriver à pouvoir entendre réellement la voix du Seigneur. Et qu'il... Et puis il dit donc, je veux que là où je suis, Père, que ceux que tu m'as donné soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. La gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu et ceux-ci aussi ont connu que tu m'as envoyé. Vous savez de quelle manière, effectivement, eux, ils ont reconnu que, réellement, qu'il était envoyé de Dieu?
Parce qu'il a dit, hein, il a dit effectivement que je leur ai donné le parole que tu m'as donné. Ils les ont reçus. Et ils ont vraiment reconnu que tu m'as envoyé et tu es sorti de toi. Et vous vous souvenez de cela, non? Amen. Donc il insistait sur ce point, effectivement, aussi, parce que, regardez très bien, il y a quelque chose qui s'est passé quand il a posé la question, disant, mais en fait, qu'est-ce qu'on dit de moi que je suis? À ce moment-là, effectivement, vous connaissez comment les uns et les autres ont répondu. Et puis c'est Pierre qui a répondu en disant, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il lui a dit, tu es heureux, Simon. Visionnaire, car ce ne sont pas la chair et les sangs qui t'ont révélé cela. C'est mon Père qui t'a révélé cela. Et cette révélation, je bâtirai effectivement mon Église. Donc, Pierre avait reçu cette grâce et privilège, effectivement, de pouvoir connaître, effectivement, celui qui était en face d'eux, pendant qu'il marchait avec eux. Tout ne comprenait pas tellement très bien. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Il ne veut pas connaître ça logiquement et naturellement. Il fallait que quelque chose se passe, que Dieu puisse se révéler à Pierre, pour que Pierre se rende compte qu'effectivement, que celui-ci, c'est vraiment le Messie, celui dont Dieu a parlé dans les Saintes Écritures. C'est pour ça que vous remarquez très bien que je pense que c'est Philippe qui a pu dire ça à Nathanaël. Mais nous avons trouvé de qui Moïse et les prophètes ont parlé dans les Saintes Écritures. Parce que tout enfant d'Israël, effectivement, connaissait quand même d'une certaine manière, effectivement, l'importance des paroles qui sont annoncées par les prophètes. Il savait une chose, effectivement, que chaque parole que les prophètes a eu à pouvoir annoncer, cela s'accomplira certainement. Parce que ce n'est pas les prophètes qui l'a dit. Puisque pourquoi? Dieu avait déjà eu à pouvoir manifester au peuple d'Israël que si les prophètes disent ainsi parle l'Éternel, ce n'est pas les prophètes qui parlent. Donc la parole sort de moi. Et si ça sort de Dieu, effectivement, il va l'accomplir. Donc en rapport avec le Messie, il savait très bien que le Messie devait venir. Donc sans l'ombre de doute, effectivement, mais il fallait connaître le Messie. Vous remarquez très bien, frères et sœurs, c'était quelque chose qu'on pouvait dire, mais c'était évident que tout le monde puisse connaître le Messie. Oui, parce qu'on en avait parlé. Évident. Mais quand il est venu, on ne l'a pas reconnu. Pour quelle raison, frères et sœurs? C'est ça qui est très important de comprendre, effectivement. Parce que Paul dit que tout Israël n'est pas Israël. Oui, je crois que c'est dans Romains au chapitre 11. Pourquoi il dit cela? Regardez ceci. Nous, ils ont pu le revenir dans Jean. Dans Romains au chapitre 11, je pense que c'est cela aussi, effectivement. Il dit une chose. Romains. Je pense que c'est cela, oui, c'est cela. Ah oui, non, c'est dans Romains, attendez, je crois que c'est dans Romains au chapitre. Attendez, je sais que l'écriture, vous la connaissez, mais c'est celle-ci, ce que je veux. Juste. Merci. Voilà, c'est sur Romains chapitre 9. Ici. Voilà, dans Romains chapitre 9. Et voilà, si nous pouvons lire à partir du verset 4. Verset 3. Il dit, quand je prouve moi-même, je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, donc mes parents selon la chair, qui sont donc israélites, à qui appartiennent donc l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, les cultes, les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu bénit éternellement. Amen. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit en Isaac. C'est vrai que dans ma version, ce n'est pas vraiment la même chose. Attendez, je vais quand même prendre ici la même version que vous dans Romains au chapitre 9, de manière à ce qu'on puisse être dans Romains 9. Chapitre 9, ce que je veux dire au verset 6, il dit, ce n'est point dit que la parole de Dieu soit laissée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël, et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit, un Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici donc en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il fit dire à Rebecca, qui conçut du seul Isaac, notre père, car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent pas encore fait du bien mal, en fait, que les desseins d'élection de Dieu subsistent, ça dépend des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle, il fit dire à Rebecca, l'aîné sera sujet au plus.
plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaïe. Donc il s'agit effectivement de ceux-là auxquels Dieu avait lui-même connu d'avance, pour qu'ils aient effectivement, parce que quand Dieu a eu à pouvoir prédestiner, il est absolument impossible que tu puisses rater effectivement ce que Dieu est en train de faire. Parce que tu as été prédestiné pour la chose. Et comme ça, effectivement, que quand Dieu est en action, il est normal que Dieu te place dans une position qu'il puisse arriver à voir connaître effectivement ce que Dieu fait. C'est ainsi qu'effectivement, que, il dit que tout Israël n'est pas Israël. Non, parmi les enfants d'Israël, effectivement, tous ne sont pas Israël comme Dieu le voulait. Il s'agit de la postérité quand Dieu a parlé à Abraham. C'est pour ça que quand il est venu, il est entré en scène, tout le monde en Israël adorait Dieu. Il connaissait Dieu, effectivement, le Dieu d'Abraham, il le connaissait, effectivement, ainsi de suite. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans l'écriture que nous avons lue, quand le Seigneur priait dans Jean 14, je reviens là-dessus aussi, regardez très bien. Il a dit une parole, après avoir fait savoir, il dit que personne au monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Parce que pour reconnaître que celui-ci est un envoyé du Seigneur, il faut réellement que le Seigneur t'accorde cette grâce. Ce n'est pas par les études ou quelque chose comme ça, parce que ce n'est pas parce que quelqu'un fait des miracles ou quelque chose comme ça, qu'on peut réellement reconnaître qu'il était un envoyé de Dieu. Parce que vous avez remarqué dans Matthieu, je pense, chapitre 7, ils ont dit, mais Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait ceci par ton nom? Il a dit, mais je lui ai dit, je ne vous ai jamais connu en fait. Donc le Seigneur ne les a pas envoyés. Parce que il faut que toi, mon frère, et toi, ma soeur, que tu aies quelque chose de la part du Seigneur pour reconnaître que celui-ci est un envoyé de Dieu. Quand toi, tu reconnais cela, c'est déjà une grâce que Dieu t'a accordée. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu marches dans la lumière. Parce que vous savez, frères et sœurs, si ce n'est pas un envoyé de Dieu, comment est-ce que Dieu peut l'utiliser? C'est pour ça qu'il dit, mais tous ces hommes-là, ils sont inutiles pour vous. Ils sont d'aucune utilité pour mon peuple. Pourquoi? Dans Jérémie, il dit, mais je ne les ai pas envoyés. Donc quand Dieu n'envoie pas, ces hommes-là, ils peuvent se dire, ils ne sont pas d'utilité pour le peuple de Dieu. En fait, ils sont là pour simplement aveugler. C'est sûr et certain. Mais le problème, c'est que c'est à toi, mon frère, à toi, ma soeur, de pouvoir reconnaître effectivement qui est de Dieu et qui ne l'est pas. Parce que tu dois. C'est cela l'avantage, comme l'Écriture dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc un fils de Dieu ou une fille de Dieu, quand il reçoit la parole de Dieu, il a dit au Seigneur, il a une soif. C'est quelle soif? De quoi, effectivement? La soif de quoi? Mais du baptême du Saint-Esprit. Bien sûr, monsieur, parce que sans le Saint-Esprit, vous serez pas nul, vous n'irez nulle part, mon frère. Parce qu'il dit, mais c'est celui qui vous conduira. Parce qu'il y aura toujours, Satan est un fin menteur. Il a aussi des ministres aussi d'exercice, juste effectivement, vous l'avez dit. Donc c'est un fin menteur. Ils mentent vraiment, et puis quand ils mentent, c'est comme si c'était la vérité. Si tu n'as pas la connaissance de la vérité, tu peux te tromper facilement. Le Seigneur l'a dit d'ailleurs, les élus seraient séduits, si cela était possible. Donc pour que toi, tu puisses... Parce que frères et sœurs, ce n'est pas une chose, parce que regardez très bien. Il vient de dire une parole ici, il dit, mais ceci, donc, ils ont connu que tu m'as envoyé. Comment ça s'est fait que tous ceux qui étaient des conducteurs d'Israël, nous revenons aux pharisiens, nous revenons aux Sanhédrin, et c'était dans les temples en fait, dans les temples où on offrait tous les holocaustes, effectivement, le lieu où les peuples se rassemblaient, pour écouter, effectivement, pour voir ce que les Lévites faisaient, effectivement. C'était dans cet endroit, les Sanhédrin, avec les soldats sacrificateurs, etc. Comment ça s'est fait, frère? Qu'on a emmené même chez le Seigneur, Dieu donc Jésus, devant les Sanhédrin, Caïphe, les soldats qui étaient là. Il a même permis qu'on les gifle. Ah oui, il dit, mais on l'a giflé. Oui, c'est sûr, c'était. Donc, là, on le traitait de tous les noms. Évidemment, il était, c'était des saints, effectivement. Comment est-ce qu'ils ne pouvaient pas connaître? Et pourtant, c'est des prédicateurs. Ce sont ces gens-là qui avaient l'influence sur beaucoup de peuples. Mais ils avaient ce Jésus au milieu d'eux. Ils pouvaient l'entendre. Parce qu'il avait même dit, mais de quoi pouvez-vous m'accuser? Parce que tout ce que j'ai prêché, c'est à l'extérieur. Tout le monde a entendu les prédications. Tout le monde a vu ce que je peux faire, effectivement. Donc, qui me convaincra du péché? Parce qu'il a fait ce que Dieu avait demandé de voir faire la Sainte Écriture. Donc, tous pouvaient voir, effectivement. Mais comment ne pouvait-il pas reconnaître que c'est lui qui est ici
c'est vraiment un envoyé de Dieu. Et quand on voit la femme prostituée qui est la femme samaritaine, qui arrive à regarder effectivement cet homme, effectivement, il dit, mais je reconnais, il dit, mais je vois, tu vois quoi? Toi, une prostituée, tu vois quoi? Tu n'as pas eu la vie pour enseigner, tu vois quoi? Le prédicateur voit lui en lui un démon. Toi, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois que tu es un prophète. Frères et sœurs, c'est important dans notre aujourd'hui. Dieu te bénisse. Parce qu'afin qu'on ne soit pas ballotté à tout vent de doctrine, il faut reconnaître. On n'embrasse pas tout le monde. On aime tout le monde. On ne peut pas embrasser tout le monde. Qui est qui? Parce qu'il s'agit de mon âme. Il s'agit de mon âme. Il s'agit de mon salut, de ma destination. Oui, monsieur. Oui, madame. Parce que le Seigneur dit, celui qui reçoit, celui que j'envoie, il fait quoi? Il me reçoit. Amen. Mais si tu reçois quelqu'un qui apporte la fausse doctrine, tu as aussi la malédiction. Oui. Oui. La Bible dit, ne dis même pas bonjour. Amen. C'est écrit. Amen. Donc, moi, je dois savoir où j'en suis. Ce n'est pas le moment de voir, j'ai fait tout avec tout le monde, effectivement. J'ai trié. Amen. C'est un moment, un temps qui est un temps difficile. Oui. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Donc c'est nécessaire que moi je puisse arriver à pouvoir être sûr et certain. Dit, mais ceux-ci, ils ont reconnu que tu m'as envoyé. Mais par quoi? Comment ont-ils reconnu cela? Parce que voyez-vous, de ces Jésus-là, si tu étais avec lui, tu étais mal vu. Pour s'accrocher à ces Jésus-là, frère, d'ailleurs, vous avez la preuve, on revient juste ici. Vous avez la preuve, effectivement, toujours Jean 6, hein. Il y avait beaucoup parce qu'ils l'ont suivi, parce qu'il faisait des miracles, effectivement. Oh, les gens disent, ah, quand on est avec lui, il est célèbre, papa. Mais ces jours-là, quand il s'est mis debout, effectivement, il a commencé à pouvoir placer la parole à sa place. C'est lui que j'envoie. Il dit les paroles que je lui ai données. Un envoyé de Dieu. Mais il ne vient pas pour dire, je suis l'envoyé. Un envoyé, pourquoi tu es l'envoyé? De quoi tu dois faire quoi? Dieu n'envoie pas pour rien dire. Si Dieu t'envoie, tu es l'envoyé, il y a quelque chose que Dieu t'a donné. Amen. C'est donc comme mon grand ici, il vient dire, bon voilà, oui, le pasteur m'a envoyé. Et puis il reste. Pardonne-moi mon grand. Le pasteur m'a envoyé. Le pasteur m'a envoyé. Mais qu'est-ce qu'il t'a envoyé pour dire quoi? Parce que si on t'a envoyé, on t'a envoyé avec quelque chose. Amen. Amen. On t'envoie pas seulement pour dire, il m'a envoyé. Et puis, il m'a envoyé quoi? Il t'a envoyé. Qui t'a envoyé pour faire quoi? Pour dire quoi? Parce qu'un envoyé rapporte la parole de celui qui l'a envoyé. Amen. C'est. Il a dit lui-même, qu'est-ce qu'il a fait que le Seigneur? Il a dit, mais si le Seigneur lui a dit, mais je les ai envoyés, c'est vrai. Comme tu m'as envoyé. Est-ce que vous suivez? Amen. Il dit, comme tu m'as envoyé. Il m'a envoyé comme ça simplement pour rien. Non, il y avait un but, il m'a envoyé avec sa parole. C'est pour ça que je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Amen. Vous voulez qu'on lise encore? Amen. Regardez, dans Jean chapitre 10, en fait qu'on comprenne. Regardez très bien. Il dit ici, nous lisons à partir du verset 14. Il dit, je leur ai donné ta parole. Ici dans Jean 14, Jean 17, verset 14, il dit, je leur ai donné ta parole, et le monde les a donc haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Vous voyez le parallélisme? Vous voyez le parallélisme? Ok. Vous comprenez, ça veut dire parallèle, quoi? Est-ce que vous comprenez le parallèle? Amen. C'est la même chose, c'est-à-dire, il a la parole, on l'est, quand nous recevons la même. C'est la même chose, on nous déteste aussi. C'est ce qu'on appelle. Est-ce que vous comprenez? Ah, ok, nous comprenons. Elle dit, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne t'ai pris pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde. Et pourtant, ils étaient. C'est vrai, non? Et pourtant, ils étaient du monde.
Quand toi et moi, nous étions dans le monde avec nos copains, nos amis, dans les boîtes, on buvait, on faisait ceci, on n'avait jamais de problème. On nous aimait parce que voilà, on faisait toutes les blagues, mais ça n'était pas pour la main. Mais le jour où tu as pris position pour le Seigneur, les choses ont changé. Parce que si jusqu'aujourd'hui tu gardes le même copain, il y a un problème dans ta conversion. Si tes mêmes copains continuent à pouvoir t'apprécier, dans le journal, tu es comme les piles, comme notre bille. Il y a un petit problème quelque part. Il faut qu'ils disent, non, ici, on ne peut plus jouer comme à l'époque. Cet homme ou cette femme, c'est différent. Donc, quand tu me dis, donc, je t'ai pris à du monde, mais de les préserver du mal, ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Vous voyez cela? Amen. Donc il dit, je l'ai révélé la parole que tu m'as donnée. Donc il est venu dans ce monde. Parce que, frères et sœurs, pour que vous puissiez encore parler, mais quand il a continué à parler, c'est qu'est-ce qu'il a encore dit? Il dit, mais écoutez très bien, je continue pour que vous puissiez voir. Il dit, mais il dit, il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, Amen. Mais encore pour ceux Amen. Qui croiront en moi par quoi? Voilà. Ce n'est pas la parole qui vont fabriquer eux-mêmes, non? Non, la parole que tu m'as donnée, je l'ai donnée. Comprenez que c'est quelque chose de très important pour nous de réaliser effectivement l'action de Dieu, effectivement, dans chacun de nous. Parce que si nous ne comprenons pas cela, mon frère et ma soeur, nous passons à côté des choses qui sont donc importantes. C'est-à-dire qu'un envoyé de l'Éternel, il faut que moi, je reconnaisse que c'est un envoyé. Ça ne veut pas dire qu'effectivement, que parce que je reconnais que c'est un envoyé, je deviens fanatique. Parce que si nous passons dans le fanatisme, dans l'effet d'idolâtrie, ce n'est plus Dieu dedans. Est-ce que vous comprenez? Un fils de Dieu, une fille de Dieu est toujours équilibrable. Nous ne sommes pas fanatiques de Jésus. Pas entendu. Non, vous avez peur de dire non. Non, frère. Écoutez, frères et sœurs, je comprends ce que vous voulez me faire comprendre. Je dirais alors, entre les parenthèses, nous le sommes. Amen. Mais regardez une chose qui est très importante. En fait, nous sommes amoureux de Jésus. Amen. Être amoureux, c'est plus important. Plus grand qu'être un fanatique. Exactement. Parce que le fanatique, un jour, le fanat va s'arrêter. J'étais fanat de foot, de l'équipe, et puis je vois maintenant que j'ai trouvé un autre vêtement. Mais quand on est amoureux, ça continue. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ça la différence que nous devons comprendre. Je vous ai compris, mais c'est nécessaire carrément que vous sachiez. Je sais que vous l'aimez. On ne peut pas vous. Mais bon, c'est important. Donc, nous comprenons qu'effectivement, qu'il est nécessaire que nous, nous puissions d'abord être positionnés. Alors, quand on comprend effectivement que quand nous savons que celui-ci est un envoyé de Dieu, nous avons une pleine confiance Amen. Dans le Seigneur au travers Amen. De vases. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Amen. Et nous sommes reconnaissants à Dieu. Amen. Seigneur, tu nous as permis Amen. De réaliser ce qui est important. Et qu'est-ce qu'on fait? Comme cette femme, effectivement, la femme samaritaine. Il a abandonné sa cruche. Il a couru dit, venez voir. Amen. Ce que nous rendons témoignage, effectivement, que venez écouter la parole de Dieu. Vous écoutez autre chose là-bas. Dit, mais moi aussi, j'ai écouté autre chose. Mais quand j'ai écouté ce que Dieu a dit ici, ma vie a changé. Amen. Tu deviens un témoin. Oui, monsieur. Oui, madame. C'est vous qui devez rendre témoignage de ce que Amen. Dieu fait encore dans notre Amen. Temps. Amen. Parce que il nous a convaincus de cela en réalité. C'est pour ça que vous remarquerez dans sa prière. Et là, comme je vous l'avais dit, effectivement, quand il priait comme ça, c'est pour ça qu'il priait, il disait, mais la parole que tu m'as envoyée, il s'est placé dans la position d'un serviteur. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc les serviteurs qui prient sont Dieu. Parce que Dieu ne va pas prier à Dieu. Est-ce que vous suivez? Amen. Donc là, il était dans la position d'un serviteur. Il a pris la forme d'un serviteur. Il n'a point arraché à être l'égal de Dieu. Amen. N'est-ce pas?
pas vrai? Amen. Il s'est humilié. Donc, le serviteur maintenant que Dieu a envoyé, il a envoyé son. Il dit, c'est très vrai. Vous voulez peut-être que, on lit dans les Saintes Écritures, regardez, je crois que c'est dans Ésaïe, au chapitre 42, je pense que c'est ça. Ésaïe 42. Ésaïe 42, verset 1, il dit, voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il en sonnera par la justice aux nations, il ne criera point, il ne lèvera point la voix, effectivement, et il ne la fera point entendre dans la rue, il ne brisera pas le roseau cassé, il n'éteindra point la lumière qui brûle encore, il annoncera la justice selon la vérité, ainsi, ainsi. Donc voici mon serviteur, ça dit bien, le Seigneur lui-même. Vous vous souvenez, dans les Actes au chapitre 3, ou quelque chose, ça dit, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, pardon, relève cela, je pense. Je pense que sinon, le livre des Actes, je pense, il dit cela. Il dit, et voilà, c'est bien, exactement. Dans Actes au chapitre 3, le verset 12, il dit, Pierre, voyant cela, dit au peuple, homme israélite, pourquoi vous êtes-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus que vous avez livré et rédié devant Pilate et qui était d'avis qu'on le relâchât. Amen. Et c'est ça dans ce que je viens de vous dire. Donc, nous comprenons que c'est comme ça qu'il priait de tout son cœur, effectivement, et il adressait cette prière, effectivement, comme disons que il sait parce qu'il dit, mais dans le premier verset des Saintes Écritures, effectivement, il a bien présenté effectivement les choses pour que nous comprenions effectivement ce qu'il a à partir du verset 1 jusqu'au verset, verset 7. Ça vous lira à la maison. Donc, il priait effectivement en tant que serviteur envoyé de Dieu, effectivement, pour regarder ce qui est merveilleux, ce qui est glorieux, qui montre effectivement que réellement les caractères et la manière dont on peut reconnaître que cet homme est vraiment un envoyé de Dieu. Et c'est le caractère qui nous témoigne dans cette écriture, dans la prière qu'il a adressée lui-même à Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit d'abord? Il dit, et puis il dit ceci au verset, je pense, Jean chapitre 17, le verset 20, il dit ceci. Il dit, je leur ai fait connaître ton nom. Il dit, tu m'as envoyé. Mais moi, ce que j'ai fait pour ce peuple ici vers qui tu m'as envoyé, je leur ai fait connaître ton nom. Ceci est quelque chose de très important. Regardez bien. Il dit, je leur ai fait connaître ton nom. Et puis, hein, le verset suivant, il dit encore, il dit, écoutez bien. Et je le leur ferai connaître. Je les fais connaître et je le leur ferai connaître. Afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Il insiste, il dit, mais je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître encore ton nom encore. Remarquez, frères et sœurs, dans le verset, au chapitre 17, effectivement, ici, le verset 6, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Amen. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Et ici, au verset 20, il dit, je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître. Amen. Remarquez, frères et sœurs, ici, il dit une chose ici, nous pouvons lire à partir du verset. Il dit, après avoir ainsi prié, parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu dois donner pouvoir sur toute chair,
afin qu'il accorde effectivement la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus. Est-ce que vous suivez? Amen. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Il dit bien ici que tu as envoyé effectivement Jésus-Christ. Il dit, j'ai été glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Et maintenant, Père, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Et j'ai fait connaître ton nom aux hommes. Vous n'avez rien remarqué? Regardez très bien, frères et sœurs. Il dit, mais la vie éternelle, c'est que toi, le seul vrai Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé. Donc il dit, mais toi, tu m'as envoyé. S'ils reconnaissent que tu m'as envoyé, effectivement, il est aussi important que l'envoyé fasse connaître aux hommes qu'il l'a envoyé. Amen. Alléluia. Amen. Parce que l'envoyé ne cherche pas sa gloire. Amen. Il cherche la gloire de celui qui l'a envoyé. C'est pas lui, mais toi qui m'as envoyé. Qui t'a glorifié moi maintenant, toi. Amen. Pas les hommes, mais toi. Amen. Amen, amen. Je fais connaître, pas mon nom. Amen, amen. Je n'ai pas cherché qu'on me connaisse moi. Non. Continuez, toi, toi, c'est toi qu'on doit connaître. Amen. Parce que mon travail, c'est que les hommes te connaissent, qu'ils sachent qui tu es. Mon frère et ma soeur, dans le livre des Romains au chapitre 10, on nous dit une parole, rapidement, pour que nous puissions lire. Romains au chapitre 10. Moi, je pense que c'est Romains au chapitre 10. On nous dit. Verset 10, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon qu'il est, selon ce que dit l'Écriture, c'est la même chose que vous, non? Amen. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre les Juifs et les Grecs, écoutez bien, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui... Maintenant, l'Écriture le dit. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Vous avez entendu? Amen. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera donc... Maintenant, vous avez bien lu l'écriture avec moi? Amen. Est-ce que vous suivez? Amen. Bon, nous relisons encore ensemble. Et verset 13, il dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Vous avez bien remarqué, non? Amen. Donc, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais est-ce que Seigneur est un nom? Amen. Vous lisez, non? Amen. Parce que quand on dit, mais qui invoquera le nom du Seigneur, est-ce que Seigneur est un nom? Non. Parce qu'il faut invoquer les noms de celui que tu reconnais comme Seigneur. Amen. Frères et sœurs, tu n'as pas dit Seigneur, Seigneur, sauve-moi. Frère, il y a beaucoup de Seigneurs. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous savez, je crois que c'était un dimanche. Je crois que c'est un dimanche passé. Quand j'ai terminé la prédication, je sors, je voulais passer, j'ai salué ceux qui étaient assis là. Et puis, quand je voulais partir, il y a un jeune homme qui était là, qui me tient la main, qui commence à vouloir me parler. Je me suis resté, il dit, pasteur, je voudrais te voir. Je dis, il n'y a pas de problème, je sors, je vais prier, parce que mon bureau vient me voir. Et il m'a donné son nom, c'est Jétro. Il entre dans mon bureau, il dit, pasteur, je voudrais vous parler, et puis il dit, j'ai vraiment un témoignage à vous rendre, effectivement, il dit, pour la parole. Je dis, tu t'écoutes. Et il dit, Jétro, il doit être le neveu de la sœur. C'est Isabelle Mbouchou. Il m'a dit, parce que je vais vous dire une chose. Il dit, vous savez, quand vous avez prêché, ce jour-là, vous avez parlé du nom de Jésus. Et que, évidemment, que bon, que nous l'avons lu dans la scène de je pense. J'ai plus travaillé quelques jours, effectivement. Mais, il dit que quand vous parlez, quand voilà, j'avais donné l'exemple, effectivement, que les filles de Sébastien vous ont mené.
m'ont frappé en fait. J'ai dit, mais c'est vrai que nous parlons de Jésus, mais nous n'avons pas jamais mis la relation avec la personne. J'ai dit, mais je suis du nombre de ceux-là, parce qu'effectivement, que je parle de Jésus, j'ai dit, effectivement, mais jamais je réalisais qu'effectivement, qu'il fallait que je connaisse Jésus. Elle a dit, mais quand j'ai entendu ça, mon cœur a été touché. J'ai dit, mais non, parce que je priais comme ça tout le temps, Jésus, mais je ne serais pas tellement très bien. Ces jours-là, je suis rentré à la maison. Il dit, pasteur, j'avais un problème. Il est calme. Il dit, j'habite donc en France, effectivement, et tout près de chez nous, là-bas, il y a un collège, je ne sais pas si c'est une école qui est là. Et je voulais donc que je sois inscrit dans cette école-là. Je suis allé là-bas, il m'a dit, mais monsieur, jeune homme, effectivement, il n'y a pas de place ici, la liste, elle est complète. Et si on doit t'ajouter seulement à la fin de la liste, et puis dites bien que si on t'ajoute à la fin de la liste, on ne saura pas être inscrit s'il n'y a pas de place. Mais quand même, j'ai laissé quand même mon nom là. Et que bon, on m'a dit, bon, c'est mieux de pouvoir aller dans d'autres lycées qui sont plus loin de l'endroit où j'habite, parce que tu connais, là-bas, par exemple, des grandes distances. Mais j'avais prié Dieu pour cela, mais bon, on m'a répondu effectivement que non, on ne peut pas vous inscrire parce que ce n'est pas possible. Elle dit, mais quand j'ai écouté la parole, que vous avez prêché, je suis rentré chez moi. J'ai dit non, j'avais mal prié. Amen. J'ai dit, mais maintenant j'ai entendu ça. Je me suis mis à genoux. J'ai dit, alléluia, Seigneur, maintenant je connaissais ce Jésus maintenant. Puisque je l'ai entendu, maintenant j'ai dit, je l'ai invoqué, Seigneur, aide-moi maintenant pour que mon nom soit pris dans la liste là-bas. Amen. Il dit, pasteur, le lendemain. Le lendemain. Ma maman m'appelle. Il dit, j'ai trop. Il dit, maman, qu'est-ce qu'il dit? C'est un miracle, j'ai trop. Il dit, qu'est-ce qu'il y a, maman? Il dit, mais l'école là, on disait qu'il va être inscrit. Ils l'ont appelé ce matin. Il dit, ouais, j'ai trop. Il dit, mais pourquoi? Il dit, mais on l'a quand même inscrit. Les noms, les noms. Il a dit, je leur ai fait connaître ton nom. Mon frère et ma soeur, aujourd'hui, il y a des prédicateurs qui vont être connus. Il faut que l'air noir en grand soit passé là-bas. Le nom de Jésus est un peu un petit pour le miracle. Mais son nom, il est en grand. Frère, qu'est-ce que je ferai avec le nom d'un homme? Amen, amen, amen. Mon frère et ma soeur, un envoyé cherchera la gloire à celui qui l'a envoyé. Parce qu'il sait pourquoi il a été envoyé. C'est pourquoi toi, fais attention. Dieu n'a jamais envoyé un homme qui soit véritablement serviteur de Dieu pour qu'il cherche à ce qu'il soit adulé par les hommes. Ah oui, 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 ça c'est... Je peux vous dire la vérité, frère et soeur. Quand Dieu vous saisit, le vrai Dieu vous saisit, vous, en tant que fils ou fille de Dieu, véritablement, véritable, frère et soeur, il va vous arracher des labos en vous. C'est pas pour rien que Dieu fait passer ses serviteurs. Ça veut dire qu'il y a des épreuves par lesquelles on passe que vous ne pouvez pas passer. Il les fait passer par des moments tellement difficiles, des combats de ceci et de cela. Pourquoi? Parce qu'il veut arracher dans la personne la pensée de la personne, le caractère de la personne, effectivement, parce que Dieu veut imprimer son cachet dans la personne. Amen. Je vous ai toujours donné un exemple ici en disant, quand Dieu a travaillé un homme, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Alléluia. Pour le pousser à gauche, le pousser à droite. Vous êtes en train de perdre votre temps. Amen. Vous pouvez avoir des visages enfermés, des visages de colère. Même pas lui dire bonjour, ça ne changera jamais. La personne... Ah, ça, c'est absolument important. Parce que Dieu l'a tellement drillé, travaillé. Il a fait passer par les humiliations. Frère, parce que Dieu ne peut pas utiliser un homme qui peut flancher à gauche, à droite. Non, 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 non. Il faut qu'il travaille. C'est pour ça que vous perdez votre temps. Vous voyez qu'on parle de Dieu, ça va les faire changer. Il ne changera pas. Amen. Son Dieu l'a changé. Amen. Il a travaillé. Amen. Il a martelé. Amen. Et c'est fini. C'est le visage de qui s'imprime en lui. Oui, c'est vrai, frère. Amen. Alors cet homme-là, que vous l'aimez, que vous ne l'aimez pas, il sait qu'effectivement, il n'est pas là pour être apprécié par les hommes. Il doit être apprécié par son maître. C'est sûr et certain. Amen. C'est pour ça que vous remarquerez très bien, je parle, très bien comme les hommes, comme l'apôtre Paul. C'est un homme qui avait beaucoup d'amour pour tout le monde. C'est d'ailleurs l'apôtre Paul qui nous a parlé des Corinthiens 13. Non? Amen. Cet homme-là était une partie de la parole qu'il avait. Et vous vous rendez compte? Il dit plus loin, il dit, mais si moi je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Donc il savait la portion, la position, c'est la position dans laquelle...
parce que Dieu l'a fait passer par des moments difficiles. L'homme qu'on jetait, mais Pierre, on est fait se descendre par les ceci, méprisé. Et pourtant, c'était un vase précieux entre la main de Dieu, en fait. Paul, c'est par lui qu'on a la révélation des saintes écritures, effectivement, aussi dans le Nouveau Testament. Ah, mais c'est vrai. Il a écrit, et c'est Dieu l'a écrit de manière assez puissante. Mais c'est un homme qui a été beaucoup plus méprisé, maltraité, effectivement. Et qui a dit, mais j'achève les souffrances de Christ dans ma chair. Il pouvait s'être demandé, dans ma chair, effectivement. Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu a fait. Mais remarquez comment la foule et le peuple, effectivement, s'est tourné toujours vers les soi-disant prédicateurs. Ça, ce sont des choses que vous vivez. Et puis, en faisant ça, vous êtes tellement... Attends, que sinon, quand on est trop charnel, effectivement, on avale plus facilement. Parce que les hommes qui ne sont pas envoyés de Dieu, ils sont beaucoup plus charnels et plus spirituels. Ils savent vous avoir par les sentiments, les émotions, les ceci et les cela. Et puis, bon, ils sont de chez nous, les ceci et les cela. C'est toujours comme ça. Et vous, vous tombez directement dans ces choses, dans les... Ah, c'est des dieux. Qu'est-ce qui vous prouve que c'est des dieux? Parce que vous devez être instruit pour reconnaître ce qui est des dieux et ce qui n'est pas des dieux. Mon frère et ma soeur, si tu n'as pas ce discernement, tu n'iras pas plus loin. Ah ben oui. Ah ben oui, c'est sûr et certain. La Bible nous dit que, ah c'est si. Il me dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. On va bien. Car quiconque évoquera le nom du Seigneur sera donc, c'est écrit, non? Il faut donc évoquer, ça veut dire invoquer. Il faut donc invoquer le nom du Seigneur pour être sauvé. Prenez tout le monde, un tout petit peu de temps. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Remarquez comment l'Écriture montre, effectivement, il dit, quiconque évoquera le nom du Seigneur, Seigneur, c'est un titre. Amen. C'est pas un nom. Mais il faut que tu invoques celui qui est le Seigneur. Nul ne pourra dire que Jésus est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Mais tu peux dire Jésus est Seigneur parce que tu l'as entendu de quelqu'un. Tu répètes simplement ce qui est Seigneur Jésus, mais en fait, il n'est pas ton Seigneur. Vous savez, ça veut dire quand quelqu'un est Seigneur. Celui sur qui tu reposes tout, en fait. Il a la domination sur toi. Il a toujours les derniers mots, en fait. Tu as tellement confiance en lui, comme Abraham appelait, non, comme Sarah appelait Abraham. C'est comme ça. Parce que si aujourd'hui, on voit, on a encore une soeur qui appelle son mari, oh Seigneur. Et dans cette église-là, ils sont dit, je ne vais pas dire demain, ça appelle mon mari Seigneur. Jésus donne seulement un exemple pour que vous puissiez comprendre, effectivement, qu'elle décrit effectivement les choses. Ça, c'est quand une femme a un respect profond de son mari. Je vais pas dire demain, elle appelle mon Seigneur. Vous comprenez ça? Je vais donner l'exemple pour dire, ah, je vais montrer au frère et à soeur qui dit, ah, dit Seigneur, Seigneur, comment? Seigneur Joseph. Non, ça c'est, on voit bien que c'est fabriqué. Seigneur, non. Là, c'est, en fait, ça va, c'était le respect, la crainte. Parce qu'une femme qui respecte son mari, elle ne peut jamais lever la voix sur son mari. Quand le mari, parce que vous remarquez très bien, je ne veux pas rentrer dans la matière, vous remarquez très bien que quand le mari parlait, aujourd'hui la femme le suit comme ça. Hein, il dit, oui, qu'est-ce que tu penses toi? Mais Joséphine, non, pas Joséphine aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux? Donc, deux yeux dans les yeux, quoi. Tu dis, moi je dis. Tu fais, moi je fais. Est-ce que, qu'est-ce que tu penses? Que moi je vais me laisser marcher dessus? Non. Quand tu fais, moi aussi je fais. Plus que Dieu. C'est comme ça en fait aujourd'hui. Mais sœur, c'est vrai qu'on est réunis, mais c'est ça en fait. Or, une femme, une véritable fille de Dieu. Aussi parce que, oh, tu vas te faire dominer, c'est pas mon problème. Dieu a dit effectivement que la femme soit soumise à son mari. Moi, mon problème en moi, c'est pas ce que le monde me dit ou ce que les gens veulent voir chez moi, c'est le caractère que Dieu a placé en moi. Si tu es une fille de Dieu, née de Dieu, frère et sœur, cette nature-là, ce caractère-là, tu ne dois pas la fabriquer. Elle vient toute seule. Amen, amen. Parce que nous l'avons vu avec vous, nous l'avons entendu, effectivement. C'est vrai. Quiconque est né de Dieu, il est propre au péché. C'est-à-dire que dans l'âme, il n'y a pas d'incrédulité.
quand la parole de Dieu le devient, vient, trouve sa place. Amen. Ah non, quand une femme s'élève comme ça pour pouvoir s'imposer à son mari, il y a un problème. Sûr et certain. Sur peu importe ce que tu peux me dire, je connais la Bible, je connais Dieu, je vois Dieu dans les visions, je vois Dieu, mais le Dieu que tu vois dans les visions est-il vraiment Dieu de la Bible? Parce que le Dieu de la Bible, et tu le vois dans les visions, puis demain, tu peux te révolter contre ton mari. Bon, je ne veux pas dire que toi, frère, que tu dis à la soeur de ne pas aller à l'église comme ça, la soeur, je vais me soumettre à toi. Ça non plus, ce n'est pas biblique. Donc quand on parle, non, c'est sérieux que vous entendez ça, parce qu'on ne peut pas continuer à jouer à l'église, effectivement, pour te dire, je suis l'homme, je dois dominer, effectivement. Non, cette domination n'est pas de Dieu, c'est diabolique, en fait. Amen. Parce qu'un fils de Dieu ne peut pas, en fait, empêcher l'enfant de voir les prier, quand même. Est-ce que vous avez vu ça? Oh, au contraire, je le pousserai davantage. Amen. Plus ma femme prie, plus elle devient molle. Amen. Mais c'est vrai, elle est malléable, frère. Et qui voudra que sa femme soit toujours comme un béton? C'est pas possible. Et si vous l'empêchez d'écouter la parole de Dieu, c'est normal, Satan va jouer. Il va attraper et puis tu vas dire, tu vois que quand tu es venu à l'assemblée, tu parlais, et hey, Joséphine, il dit, oui, Jean. Et puis maintenant, tu l'empêches d'aller à l'assemblée et ça commence à travailler. Hein. La colère monte effectivement, depuis Joséphine, qu'y a-t-il? Oh, tu n'es pas comme ça. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse encore? C'est normal. C'est toi qui l'as mis à cette côte. Mais c'est vrai, frère. Exact. Le diable va changer Joséphine. Elle était tendre pour toi, dit, je peux faire que mes défis maintenant. Tu bouges, Joséphine, bouge. C'est vrai. Qu'est-ce qui se passe? Et si se passe, ce qui se passe? Mais c'est vrai, frère. C'est le problème, c'est toi. Amen. C'est vrai. Tu retires la parole de Dieu, le diable entre. Donc, la Bible nous montre l'enfant. Laisse écouter la parole de Dieu. Il pourra même aller à gauche, à droite. Un jour, il va revenir. Parce que la semence qui a été semée va se réveiller, frère. C'est donc le diable a peur, ce que la parole de Dieu rentre. Laissez seulement la parole de Dieu rentrer. Dieu va faire son travail. Donc, nous comprenons que, oui, comme Dieu, effectivement, donc, la soumission, c'est le respect. Parce que je ne peux pas, à moins que ça soit vraiment, je ne sais pas comment qualifier, mais un homme dont la femme est vraiment respectueuse avec autant de soumission, autant de respect, qui voit sa femme, il vient du travail, ah chérie, oh chez toi, oh tipi, je veux prendre un bassin, enlève les chaussettes, il enlève les chaussures. Je donne un exemple, je ne sais pas dire de faire ça, un exemple. Ah, tu es fatigué. Assieds-toi là, j'ai déjà préparé tout, mais j'ai beau te mettre à l'aise. Enlève les chaussures, effectivement, avec beaucoup d'amour. Hein. Il vient mettre un bassin d'eau là. Tes pieds ont été dans la chaleur, ils ont beaucoup gonflé. Posez-les dans l'eau froide, un peu. Hein. Et puis je vais bien les masser, je donne un exemple. Là, il te masse comme ça, et puis tu dis, hé, Jacqueline, non. Quand il te dit, merci beaucoup. C'est-à-dire que tu deviens gentil. Et oui, ça, mais bien sûr, quand tu masses les pieds, et que tu t'énerves sur la personne, alors là, il y a, c'est même si on ne peut pas dire un souci, mais plus qu'un souci, c'est-à-dire qu'à ce point-là, tu deviens tendre, et doux comme un agneau, tu lances les fleurs, tu veux marcher les fleurs de tout le magasin pour Joséphine. Donc, sœur, c'est ces moyens-là. Bien sûr, l'homme va devenir doux comme un agneau. Mais c'est vrai, parce qu'il va dire, une fois, c'est ça que les femmes ne comprennent pas en fait. C'est pas c'est votre avis, mais je vais montrer mon autorité égal à égal. Mais ma soeur, Dieu t'a donné une place merveilleuse, soit de pouvoir changer un homme. Même s'il est trop, pas ton cas, mais c'est la vérité. Femme, c'est qui sauvera ton mari? C'est écrit, non? Donc il peut être un taureau, mais quand toi tu es cet agneau doux, effectivement. Mais il va se poser la question. Oh, je ne sais pas, mais je reste dans les. Et vous souvenez de la femme, effectivement, aussi, la notre sœur là, vous connaissez, que nous aimons là. Le mari, il vole des maris, est un foulard. Elle est vole, vous connaissez, non? Et il allait dans les bars et tout ça pour trouver ses amis, effectivement, du monde, effectivement. Et les amis du monde, il dit, mais il n'y a plus de chrétiennes aujourd'hui. Toutes les chrétiennes, c'est la même chose. Tu pousses un peu les boutons comme ça. Ah! Ça sort comme les païennes, effectivement. Sont comme cela. Il dit, non, j'en connais une. Il dit, c'est ma femme. Ta femme, on va t'éprouver aujourd'hui. Et ce qu'elle fait là, ce n'est qu'une carapace. On va te montrer effectivement que cette femme, elle est comme les autres. Vous connaissez, non? Ils se sont levés, ils viennent avec nous. Ils arrivent à l'arche, à la maison, ils disent, voilà.
c'était son meilleur. Puis la sœur, toujours égale à une fille d'Abraham. Parce que vous, c'est toujours difficile. Vous entendez, ah, Sarah, alléluia, Sarah, 80 ans. Vous ne savez pas ce que Sarah a pour ma fille. Pour qu'à 80 ans, il puisse être comme ça. Il fallait que Sarah soit comme Sarah. Amen, amen. Est-ce que vous comprenez? Oui, mais c'est la parole qui fait le travail. Amen. Est-ce que vous comprenez? Mais si la parole fait son travail, mais à 80 ans, tu vas mettre au monde. Amen, amen. Amen. Frères et sœurs, qui transforme le corps de maître? Sarah, à 80 ans, elle fait quoi? Oui. Je vois ma sœur ici là-bas qui sourit. C'est vrai, Sarah, à 80 ans, a conçu. N'est-ce pas vrai? Dans la Bible, parce qu'on va regarder comme si Abimelech, les nuits ne dormaient pas. Une femme de 80 ans qui avait des flashis comme ça, et puis avec les dents qui étaient pas. Toi, la nuit, tu n'as pas. Tu sais plus dormir, tu commences à faire des cauchemars. 80 ans. Ouais, c'est 80 ans. C'est vrai, c'est ça. 80 ans. Quand il a regardé Sarah, c'est fini. Il était enivré. Est-ce qu'il savait qu'elle avait 80 ans? C'est une jeune fille de 25 ans, 20 ans, je sais pas, effectivement. Oh, Sarah avait 80 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la parole. Amen. Avec Sarah, de ses 80 ans, le visage est sorti comme c'était 19 ans, 20 ans, tout son intérieur. C'est comme dit madame, ménopause, maintenant, vous pouvez, rien ne peut se passer. Oh, c'était comme une jeune fille de 20 ans, 18 ans, tout son corps était bien, amen. Comme s'il est venu simplement d'entrer dans la jeunesse. Si Dieu l'a fait avec Sarah, il est frère, mais attendez, s'il l'a déjà fait avec Sarah, c'est pas avec Sarah, Elisabeth. Amen. La vieille là. Amen. La vieille là. Amen, amen. Elle a conçu, non? Jean-Baptiste, il est venu au monde. Nous l'avons chanté. Je souviens. Il est le même. Amen. On chante, il est le même pour le temps seulement de Sarah. Non. Il est le même aujourd'hui. Amen. Le Fils de Dieu. Amen. J'aime bien comme il chante. Il a déjà dit. Amen. C'est ça. Quand nous chantons, quand nous le voyons, on dit gloire à Dieu. Amen. Il n'a pas changé. Amen. Amen. Et nous disons tout, c'est Amen, il dit, le bébé j'aurai. Amen. 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 Si vous avez 50 ans, si vous avez 60 ans, vous avez besoin d'un bébé. Le silence est entré. Le silence est entré. Mais vous chantez que Sarah a 80 ans. Vous chantez, mais là il arrive maintenant à vous. Qu'est-ce qui se passe? Mais à 80 ans, tu chantes bien, non? À 80 ans, Sarah a conçu. Mais tu n'as que 60 ans. Elle avait plus de toi, donc 80 ans. Elle a conçu. Donc à 60 ans. Amen, amen. Sœur a conçu. Vous comprenez? Amen. Eh bien, dit, mais le problème, c'est qu'il faut le désirer. Oui, amen, amen. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui? Oh, je ne sais pas pourquoi, mais. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ce sont toujours les oreilles. Oh, on a pu par la maison, mais que quand la femme arrive à une période de 40 ans, comme ceci, qu'on se voit, il ne faut pas oser parce que tu vas voir un enfant qui. Frères et sœurs, c'est écrit où? Parce que le médecin, il fait ses suppositions, il dit bon, on a vu, ça peut arriver quand c'est le moment. Oui, moi je n'avais pas à discuter avec eux, je pas dit bon, c'est un novice. Moi, ce n'est pas mon problème, je ne suis pas médecin. Moi, je suis serviteur de Dieu. Amen. De la parole de Dieu. Je sais qu'il y a toujours un problème entre ça et la médecine. Amen. Je ne suis pas la médecine. Moi, je suis appelé à pouvoir être prêt. Dans ma Bible, ici. Amen. À 80 ans. Amen. On me dit, Sarah, amen. Que dirait donc le médecin aujourd'hui? Et quand je dis, même à 55 ans, pour
concevoir. Le silence vient. Frère, où est ta foi? C'est ça. À moins que pour te dire, Seigneur, je ne veux pas, mais le Seigneur est capable. Amen. Même à 60 ans, de donner un enfant en bonne santé. Oui. Mais bon, vous êtes des témoins ici, non? Oui. Quand on a des problèmes avec des bébés mal formés dans le ventre, nous prions, non? Amen. On avait déjà vu ici, Amen. On a prié qui était Amen. Mal formé, le médecin dit, mais on va évacuer. Amen. Nous, on a prié. Amen. Toute la malformation a été. Amen. Amen. Le problème, ce n'est pas avec Dieu. Parce que nous chantons, il est le même. Donc, s'il est le même, ce qu'il a fait dans les temps passés. Ce qu'il a fait. Ah, c'est ça. Il est fait encore. Amen. Ah, c'est pas moi. C'est vous qui chantez. Ce qu'il a fait. Il est fait encore. Il n'a pas changé. Alléluia. Il n'a pas changé. Alors, il faut croire que quand je danse, alors on nous dit, pour que nous puissions voir comment servir le travail, mais comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Parce qu'il faut croire en qui tu as qu'un droit. Mais comment croiront-ils en celui dont tu n'as pas entendu? Alors si je parlais de moi, vous voyez, frère, c'est pour ça que Dieu est ainsi. Si je parlais de moi, que les autres me connaissent moi, frères et sœurs, comment vont-ils être sauvés? Parce qu'il faut connaître les dieux qui sauvent. Moi, je ne peux pas sauver quelqu'un. Moi, je ne peux pas transformer quelqu'un. Mais il y en a un. Alléluia. Oui, on a posé la question aux apôtres et dit, mais quand on a vu les potents marcher, les Sanhédrins s'est rassemblé. Tout le monde s'est rassemblé. Les chefs de l'église sont en train de dire, il dit, mais Pierre, toi et Jean, en quel nom et au nom de qui, en quelle puissance, en quel nom vous avez fait ces miracles? Il dit, ah. Amen. Vous connaissez l'écriture? Amen. Acte chapitre 4. Oui, c'est important que nous comprenions les choses que Dieu veut que nous puissions comprendre. Regardez, acte 4, puis nous allons prier pour le monde dans ce livre. Alors il dit ici. Voilà, il nous dit ici, chapitre 4, verset 1, il dit, acte 4, verset 1, il dit, tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survint l'homme les sacrificateurs, le commandant du temple et les sadducéens. Mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient à la personne de Jésus la résurrection des morts, ils mirent donc la main sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5 000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Donc quel groupe impressionnant parce que tous s'étaient rassemblés. Alors ici, il fit placer au milieu d'eux Pierre et Jean et il leur demandait, par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit. Alors vous savez, le Seigneur avait fait une promesse, mais quand on vous amènera devant les tribunaux, ne préméditez même pas ce que vous allez dire parce que le Saint-Esprit vous donnera la parole à ce moment-là. C'est vrai, frère, c'est tout à fait vrai. Et ça, c'est la vérité. Nous l'avons aussi expérimenté. Je voulais raconter aussi, si, non hein, c'est pas bon. Mais parce que vous dites que la parole de Dieu, il a dessiné quand il a dit la vérité. J'étais au tribunal, vous vous souvenez? Je suis arrivé, monsieur, on m'a dit, mais voilà, c'est si, c'est directement, vous connaissez, je vous ai dit ici, non, directement, vous connaissez comment ça fonctionne au tribunal, non? Il y a le juge, il y a le procureur. Les juges lit effectivement ce qui avait été écrit là. Puis le procureur demande au procureur, qu'est-ce que vous pensez de cela? Le procureur dit, mais condamnation. Directement, monsieur, à prison ferme, effectivement, à cause de situation qu'il a eu à pouvoir menacer les policiers. Patati patata, il est venu avec des choses pour pouvoir taper vos policiers, vous avez dit ça. D'abord, on m'a posé la question, mais monsieur, mais
Oui. J'étais avec mon bébé, j'étais témoin là, présente là, ma fille là-bas au fond, là-bas, vous la connaissez bien. Et il était avec moi, il dit, papa, je ne vais pas te laisser tout seul, tu dois partir. On est parti avec le tribunal. Elle était assise dans le fond. Et ce que j'ai dit, peut vous certifier que c'est la vérité. On m'a demandé, que Dieu te bénisse, monsieur. On m'a demandé, monsieur, où est votre avocat? On ne voit pas d'avocat ici autour de vous. J'ai dit, mais madame, vous m'invitez, vous me faites venir ici. Elle me dit, mais pour quelle raison je suis convoqué à cet endroit? Oh, mais vous n'avez pas compris. J'ai dit, je comprends très bien que tout un bataillon des inspecteurs de police, ils ont dit que moi j'ai été la personne qui a eu à pouvoir frapper. Et ceci et cela. Et faites ce que vous faire, c'est pour ça que vous avez dit condamnation directe, effectivement. C'était tribunal correctionnel, s'il vous plaît. Alors je pose la question. Dieu est bon. C'était lui mon avocat. C'est l'avocat qui te dit ce que tu dois dire. Et là, mon avocat maintenant aussi, il me dit aussi ce que je dois dire. Alors je lui pose la question, je dis, bon, vous voulez condamner un innocent? Il dit, non, vous n'êtes pas un innocent, puisque il y a eu des inspecteurs qui vous ont vu, qui ont mis les rapports, je dis, ok, je suis d'accord. Et alors je pose la question, je dis, bon, dans votre dossier là, c'est alors quand même quelqu'un a commis ce qu'ils ont dit là. Qu'est-ce qu'on fait? On l'arrête, on l'amène au poste. Il doit déposer sa déclaration. Dire effectivement pourquoi il a fait cela. Effectivement, la police note sa déclaration. Et puis aussi, on met dans les rapports. Et puis, on vous envoie. Je dis, mais dans ces dossiers que vous avez là, Dieu est bon. Amen. Fouillez, regardez. Est-ce que vous allez trouver quelque part que monsieur ici qui est devant vous a fait une déclaration que la police a reçue sa déposition, effectivement, le jour de le meurtre ou le jour même de l'attaque de la police? Je vous assure, mon bébé là, le juge regarde les procureurs. Les procureurs regardent, alors ils regardent dans les dossiers, on tourne, du coup j'étais tranquille. J'étais tout à fait tranquille. On a tourné à gauche, on a tourné à droite. Alors le juge dit, mais c'est vrai? J'ai dit, oui, c'est certain. Il dit, c'est pas normal. Ah, moi aussi je trouve ça. Anormal. Alors, madame, j'ai dit, oui, je suis ici. Monsieur, si la chose est ainsi, on le journe. Parce que ce n'est pas normal qu'il y ait dans la déclaration. J'ai dit, mais si vous l'avez dit depuis, je suis innocent. Et puis, évidemment, certainement, quand le dossier est retourné, on a demandé aux policiers, effectivement, de pouvoir. C'est pas normal que des inspecteurs de police, des gens, Dieu est bon. Amen. Des inspecteurs assermentés, tout ça, fassent un gros dossier comme ça, qui arrive au tribunal correctionnel pour un monsieur qu'on va condamner maintenant. Et qu'il y ait une vis de forme, c'est-à-dire, pas la déclaration de monsieur. Amen. C'est comme ça qu'il m'a libéré. Amen. Oui, parce que les policiers m'ont présenté des excuses. Il dit, monsieur le fessier, excusez-nous. Je dis, il n'y a pas de problème. Et, toute arme forgée contre vous. Amen. C'est pour dire que ce que Dieu dit dans sa parole, c'est 100% vrai. Amen. Frères et sœurs, nous prêchons pas cela pour faire plaisir. Nous les avons expérimenté. Ce que nous prêchons, nous l'avons vécu. Afin que vous sachiez que nous ne disons pas des choses pour pouvoir dire, mais c'est parce qu'elles sont vraies. Amen. Nous les avons expérimentées. Amen. C'est pour ça que nous vous l'apportons aussi. Je ne peux pas venir ici Jésus sauf s'il ne m'a jamais sauvé. Quand je dis qu'il sauve, je suis convaincu que vous le croyez ou pas, moi je suis sauvé. Amen. Je vous dis ce que moi j'ai vécu, c'est le salut. Et vous êtes convaincu que je suis sauvé parce que vous êtes sauvé aussi. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est nécessaire que nous soyons convaincus et que nous fassions attention à ce que nous entendons. On peut aimer, on est censé pouvoir aimer, mais comme il s'agit de la parole de Dieu, ce que nous avons entendu, puis je termine là-dessus, qu'est-ce qu'il nous a dit effectivement? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute la force, et tu aimeras ton prochain comme d'abord Dieu, et puis les prochains. Ça veut dire que c'est toujours l'absolu. Frères et sœurs, si moi je n'aime pas Dieu, quelle serait l'importance de notre communion ensemble avec lui? Notre communion n'a pas sa place. Il faut d'abord qu'il y ait quelque chose qui nous unit. Donc d'abord, j'ai Dieu. Si toi, tu n'aimes pas Dieu, quelle relation je peux avoir avec toi?
Je vais avoir des camarades dans le monde, je peux avoir beaucoup de camarades. Mais que je vienne avec l'esprit de camaraderie dans l'église, ça, ça ne va pas. Dans l'église, je veux de frères et de sœurs qui aiment le même Dieu. Avec autant d'amour, ce sont ceux-là que j'appellerai mes frères et mes sœurs. Parce que nous avons la même foi, le même amour de la parole de Dieu. Frères et sœurs, c'est cela ce que Dieu attend de toi et de moi. Pourquoi? Parce qu'un jour, vous savez, nous nous rassemblons ici comme ceci. Mais un jour, on n'aura plus l'occasion de pouvoir nous rassembler. Un jour viendra, frères et sœurs, où nous ne serons plus sur cette terre. Ce que nous vivons aujourd'hui, ça sera comme du passé. Et c'est pour ce jour-là qui vient, c'est pour cela que nous nous préparons. Amen. Aujourd'hui aussi, j'ai leur donné les paroles que tu m'as données. Ils ont reconnu que tu m'as envoyé. C'est pour ça qu'ils se sont accrochés. Ils disent, ah, pardon, je n'ai pas tenu l'écriture. Ils disent, oui, pardon. Acte 4, et puis nous vous lèvons, nous prions. Pour voir les hommes qui ont reçu les paroles, n'est-ce pas? Regardez bien, et puis nous prions, hein, pardonnez-moi. Hein. Acte 4, et puis nous prions, nous lèvons, nous prions. Ils disent, voilà. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, oui, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui. Cet homme avait le boldness, hein, il dit qu'il avait l'assurance. Frères et sœurs, n'ayez pas honte de parler de ces Jésus partout où vous allez. Vous savez, j'ai été touché par les témoignages de notre frère Nicolas Fine, évidemment. Ce frère a touché mon cœur. C'est non, mais que Dieu bénisse notre frère. Ayez l'occasion de pouvoir l'approcher. Parce que quand quelqu'un vient, il a aussi besoin de pouvoir se retrouver. Mais il vous aime beaucoup. Amen. Et les frères, il aime la façon dont vous chantez. Il aime notre chant. Il aime. Et il a l'énergie d'être là. Amen. Il aime la chorale. Il dit, je n'ai pas vu de frère la chorale. Il est musicien. C'est-à-dire qu'il sait jouer les instruments. Il aime les jeunes hommes là. Il dit, il a les dons. Il a la bassman. Il dit, tous les musiciens, ils sont vraiment, ils sont loin. Les musiciens, Amen. Ils sont loin. Amen. Donc, il vous aime. Il aime aussi la chorale. J'ai dit, mon Dieu, voilà, vendredi, il pourra. Parce qu'il dit, j'ai la voix basse. Amen. Amen. Donc, approchez-vous de frères, parlez avec lui. Il a besoin de ses frères, ses soeurs. Et vous savez, ce qui me touche, c'est la manière dont le Seigneur... Vous savez, c'est extraordinaire, comme il c'est peut-être un jour, peut-être lui-même, voilà, les témoignages, effectivement. Mais Dieu, quand il saisit quelqu'un, effectivement, même avant, son âme travaillait, effectivement, d'une manière telle que... Vous savez, c'est quand même fort. Je remercie Dieu pour cela. Donc, quand et comme cet homme ici parlait, effectivement, il n'était pas impressionné par la les gens qui étaient là. Vous aussi, mon frère et ma soeur, quand tu aimes ce Jésus, n'ayez pas honte de lui. Les gens doivent savoir qu'effectivement, que... Vous savez, quelque chose m'a étonné aujourd'hui, et votre soeur ici, Mariette, votre soeur, elle a appelé un endroit, et puis on lui dit, bon madame, envoie-nous effectivement votre numéro de téléphone de WhatsApp. Je pense j'étais là. Puis elle envoie, et puis la dame dit, ah, j'ai reçu, et puis la dame retourne là. L'information. Il dit, bon, envoie-moi la photo du document, effectivement. Elle envoie. Et puis, la dame qui lui écrit, effectivement, il lui écrit, il dit, mais que Dieu vous bénisse. Ah, j'ai dit à madame, comment il a su? Est-ce que dans ton WhatsApp, tu as mis Dieu est vivant? comment la dame a su? Et puis, quand la dame a écrit, parce que moi j'étais sur le temps, quand la dame a écrit, que Dieu vous bénisse, j'ai écrit, oh, que Dieu te bénisse aussi. Et elle savait pas. Que Dieu te bénisse aussi, vraiment que Dieu te bénisse. Et elle lui a dit, gloire à Dieu. J'ai dit, oh, prends ton téléphone. J'ai dit, mais dis, je serais content de parler avec toi. Il dit, moi aussi, alléluia. Amen. J'ai dit, dans un bureau. J'ai dit, il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai dit, que Dieu nous aide. Que nous soyons de lumière partout. Amen. À mon travail, gloire à Dieu. Amen. Frères et sœurs, si. Bon, je n'ai pas fini les quatre. Si aujourd'hui, dans ton travail, on ne sait pas que tu es un chrétien, qu'est-ce que tu as laissé comme témoignage? Quand on va te licencier. Oui, oui. Je veux que quand on me licencie, qu'on sache qu'il y avait un chrétien ici. Celui-là, il n'a jamais rien fait. C'est parce qu'on a vu que le patron, il n'est pas bien, parce qu'il sent que la personne est en face. Parce que ce frère-là, cet homme-là, oh, c'est vrai, vous êtes avec lui, toujours bien, il aime son Dieu, on voit, il est droit, il faut laisser un témoignage. Amen. À l'école. Amen. Au travail. Amen.
Partout où je passe, un témoignage de ce Jésus que j'aime. Vous l'avez entendu? Oh, quand il a chanté cela, j'ai dit, parlez-moi de Jésus, c'est sauvé. L'anita désiré, mais mon âme a terré, mais moi, sans ces divins sauveurs. Vous savez, frères et sœurs, je crois que nous, nous sommes de ceux-là. Que quand nous passons quelque part, là où les dénominationnels sont passés, toi, quand tu passes, tu dis non. Cet homme ici ou cette femme ici, elle a vraiment la vérité. Amen. Même sans avoir parlé. Amen. Par ta façon de voir tes timbres, par ton habillement. C'est pour ça, s'il vous plaît, habillez-vous proprement. Mais ne ressemblez pas au monde. Amen. Il ne faut pas qu'il y ait une confusion quand on te regarde. On trouve qu'il n'y a pas de différence entre les gens de la rue ainsi. Alors j'ai dit, mais sœur, je ne sais pas, on ne rentre pas là-dedans. Alors je termine ici. Acte 4. Mais c'est vrai, je termine ici en lisant. Et puis il dit, alors il dit, et, enfin, pardon, non, j'étais ici, il dit, alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, chef du peuple ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-les tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui que vous ne voulez même pas entendre parler de lui. Est-ce que vous comprenez? Il dit, mais c'est par le nom de Nazareth que vous avez crucifié. Là, voilà. Que vous avez crucifié. Parce qu'il peut avoir peur. Il dit, mais oui, c'est vrai, ils l'ont pris. Ils ont pris. Et qu'il faut nous faire quelque chose. Ils vont nous... Frères et sœurs, n'ayez pas peur de ceux qui peuvent vous frapper à cause du nom de Jésus. Acceptez même d'être flagellé pour son nom. Pourquoi auriez-vous honte? Enfin bref. Il dit, mais que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Parce qu'il pouvait dire aussi, ah, nous avons la puissance, moi c'est parce que la puissance. Non, il dit, non, non, non. Moi ici, c'est pas par ma pitié ou par ma puissance, ma force, mais c'est par lui. Nous continuons, il dit, mais Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'homme. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Voilà. C'est donc les hommes dans le monde ont besoin de connaître. Ce n'est pas Léonard Lefessi. Non. Non. Ce n'est pas Jonas Fahm. Non. Ce n'est pas Christian Lendi. Non. Non. Les hommes ont besoin de connaître celui que vous connaissez, Amen. Qui a fait que votre vie soit changée. Amen. Alors, quand vous allez dehors, parlez de lui. J'ai été comme ça. Aujourd'hui, je suis changé. Amen. Qui t'a changé? Mais c'est Jésus. Amen. Il est capable. Mais oui, il est capable parce qu'il regarde moi. Amen. J'étais un chien, j'étais un voleur, j'étais un voyou. Mais aujourd'hui, il m'a lavé. Amen. J'étais un fumeur, je dis, aujourd'hui, il m'a travaillé. Rendez témoignage. Frère et sœur, c'est Jésus. Il dit, mais moi, je suis venu, mais c'est Jésus que j'ai pris ici. Il est capable de te guérir. Alléluia. Ta foi en toi, rien que simplement parce que tu as dit, Dieu est guéri aussi. Amen. 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 Parce que ton Jésus, il est vivant. Oui, Amen. S'il est vivant, alors il marche avec toi. Parlez-moi de Jésus, Sauveur. Est-ce que vraiment il est? Amen. Non, parce que vous chantez avec moi. Mais est-ce que vraiment il est un ami tant de Seigneur? Amen. Vous savez, quand je me suis levé aujourd'hui, et malgré les douleurs, les bobos, j'ai dit, Seigneur, combien je soupire ton être quand même. Non, c'est pour dire simplement que, vous savez, pourquoi on soupire? D'abord, il a dit que là où deux sont assemblés, un mot nom. Et puis aussi, il dit, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. La communion, elle est très importante pour vos frères et ma soeur.
de pouvoir être avec ses frères, avec ses sœurs, et surtout servir ce Jésus. Amen. Frères et sœurs, ce que vous faites aujourd'hui, écrivez-les, vous ne les regretterez jamais. Parce que la récompense qu'il y a à pouvoir s'accrocher à ce Jésus, malgré la chaleur, malgré ces vêtements, la température que vous avez, mais toujours s'accrocher à ce Jésus, la récompense est plus grande que vous pouvez jamais le réaliser. Donc, n'ayez pas honte de lui. Amen. Au travail. Amen. Dans le lieu où vous passez, Amen. Même si vous n'avez pas parlé de néerlandais, Jésus, Jésus, tout le monde connaît. C'est quoi que nous avons les néerlandophones. Après, nous, vous savez, c'est ça. Nous, si on doit prendre les premiers mots qu'on apprend en néerlandais, qu'on dit, ça veut dire, oui, moi, c'est ça. Bon, mais les deuxièmes, c'est dit que Dieu te bénisse. Amen. Ça, c'est un allemand. Bon, la soeur, notre soeur Marie-Lise, il est où? Parce que, bon, en fait, ça veut dire quoi en néerlandais? Que Dieu te bénisse. Godzekentje. Ça, tout le monde doit apprendre ça. Amen. Donc, toi, frère, toi, soeur, tu passes à Godzekentje. Ah, voici notre soeur, les néerlandophones. Ah, c'est toi, maman. Godzekentje. Godzekentje. Ok. Godzekentje. Ça, quand ils vont te demander, mais Godzekentje, c'est qui Godzekentje? Jésus. Amen. Hein? Jésus, voilà. Donc, ce soit le premier mot, les mots que tu connais en néerlandais, tu passes contrôle policier en Flandre, Godzekentje. Et puis, ça va dire, ah, Godzekentje, passez les chemins. Que Dieu soit béni. Lève-nous. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci pour la grâce que tu nous accordes. Nous sommes un peuple qui t'appartient et nous te louons pour ta bonté, pour ton amour, ta grâce et tes compassions, mon Dieu, mon Dieu. Instruis-nous, nous serons instruits, Père. Éclaire-nous, nous serons éclairés. Nous marcherons toujours avec toi, être instruits par toi, être éclairés, être soutenus, Père, parce que tu es le bon, notre Dieu. Aujourd'hui encore, être un jour de grâce, et toi, nous accordes le privilège d'être à toi, mon Dieu. Nos pensées sont toujours descendantes, mais vers toi, nous voulons te servir, car tu es le Seigneur. Nous voulons marcher avec toi, toujours, mon Dieu, mon Dieu. Oh Dieu, que nous l'avons aussi entendu, partagez le bonheur de bien, mon Dieu, mon Dieu. C'est un bon jour. Bénis mon frère, bénis aussi ma soeur et éclaire-nous encore davantage. Nous sommes heureux de pouvoir nous marcher avec ce Dieu qui nous a appelés, mon Dieu, mon Dieu, pour que nous puissions être fondés par toi. Oui, Père, c'est tout ce que nous voulons. Tu vas voir demeurer dans cette parole et aussi connaître celui qui nous a renoncé à appeler à ton Saint-Esprit. Marcher avec toi, que ce nombre de manière soit joué. Or, c'est cela que tu veux que le monde puisse connaître le Dieu. Nous sommes là. Mais tu as toujours été le Dieu qui nous soutient. Et encore aujourd'hui, encore, nous sommes là. Merci parce que tu vis. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci encore pour Dieu. Tu es l'alpha et tu es l'oméga. Oh Dieu, le Dieu qui conduit en moi, qui fait ce qui nous soutient. Merci encore pour ton amour. Que nous soutiens ce soir. Béni sois-tu. Accompagne ton frère de soutien. Nous te sommes reconnaissants. À toi la gloire. À toi la gloire. À toi la gloire. Nous sommes tous les deux.